Allô. Militants, ces militants de l'opposition républicaine, chers compatriotes. Ouais, camarade. Je tiens à vous féliciter pour cette grandiose mobilisation, malgré la pluie. Je voudrais remercier en particulier les responsables des partis de l'opposition républicaine qui résident dans la fédération de l'automatoire de... Je sais que vous avez travaillé avec tous les responsables locaux des partis de l'opposition républicaine pour nous accueillir ici sur le littoral. Et vraiment, nous sommes heureux de constater que la pluie n'a pas eu d'impact sur l'ampleur de la mobilisation. Je tiens à vous féliciter. Après Kaloum, après Matoto, c'est la Tomade. La semaine prochaine, nous avons trop de candidatures, y compris du PK. Le week-end prochain, nous allons très rapidement examiner ces différentes candidatures et décider quelle va être la commune ou encore la fédération qui va nous accueillir pour le week-end prochain, et vous serez informés. Mais d'ores et déjà, je pense que le pouvoir qui ne veut pas comprendre le message que nous sommes en train de lui adresser dans le cadre de la préparation du meeting, comprendra lors du meeting quel est le degré de notre engagement et de notre détermination. Je l'ai dit, la marche du 2 août sera incomparable en termes d'ampleur, en termes de mobilisation à toutes les autres marches pacifiques que l'opposition a réalisées. Je sais que tout le monde est déterminé pour dire non au refus obstiné des autorités d'appliquer les dispositions de l'accord, pour dire non à l'insécurité, pour dire non à la cherté de la vie, pour dire non à l'insalubrité et à la corruption. Nous voulons une gouvernance vertueuse pour que les ressources publiques soient bien gérées dans l'intérêt exclusif de la population guinéenne. Et cette manifestation, c'est aussi un avertissement pour M. Alpha Condé, qui lors du 23e mandat, il faut qu'il comprenne que les Guinéens ne l'accepteront pas. À ce que vous restez plus mobilisés que d'habitude, pour que cet avertissement soit compris, non seulement pour le destinataire Kalfé Alpha Condé, mais pour la communauté internationale et le peuple de Guinée. On n'acceptera pas le tripatriage de la Constitution. L'honorable Dembosila vient de vous donner lecture des dispositions de la Constitution, qui dit que celles relatives à la limitation et à la durée de mandat ne sont pas révisables. Toute tentative de le faire serait une violation de la Constitution et sera sanctionnée comme telle. Je vous l'ai dit l'autre jour, je le réitère, on n'attendra pas d'aller à un référendum pour voter pour ou contre. Nous allons montrer que nous votons contre en prenant immédiatement la rue sur l'ensemble du territoire national. Ce ne sera pas une manifestation de l'UFDG, de l'opposition, de la société civile, ce sera une manifestation de toute la Guinée contre l'imposteur. Nous sommes dans la fédération de la Toma.
Vous savez que nos compatriotes vivant à 10 000 là ont été l'objet d'une violence injustifiée. J'ai eu le privilège de me rendre sur le terrain, de constater les dégâts et d'écouter les victimes. J'ai dit à l'issue de cette visite que je ne me prononçais pas sur l'opportunité ou la légalité du déguerpissement. J'ai dit que dans un pays normal, qu'il était impossible, inadmissible, qu'on vienne en pleine saison des pluies, faire déguerpir des gens, jeter la famille dehors sous la pluie, alors que même si c'était justifié par ailleurs, dans le cadre d'une utilité publique ou d'une disposition visant à la protection de l'environnement, on attend la saison sèche. Dans nos lois, on dit entre le 15 juin et le 15 octobre, même si c'est dans votre propre maison, vous n'avez pas le droit de mettre dehors un occupant de votre domicile. Pourquoi Alpha Condé a attendu cette saison de pluie et pourquoi ce déguerpissement a revêtu cette violence inhumaine? C'est parce qu'il n'est pas sensible à la douleur, à la souffrance. Dans le cadre des indemnisations prévues au niveau des institutions de financement et de développement, si vous venez occuper une zone réservée ou une place publique appartenant à l'État, l'État doit vous faire savoir tout de suite, ici c'est réservé, et vous empêcher d'investir votre épargne sur un endroit qui n'est pas le vôtre. Mais ici, l'État laisse les gens occuper. Ils construisent des ateliers, ils construisent des maisons, ils y habitent un an, deux ans, trois ans. Après, on vient les déguerpir sans indemnisation. Le déguerpissement, l'expropriation, pour cause d'utilité publique, y compris pour la protection de l'environnement, est autorisé par nos lois. Mais après une juste indemnisation et pas pendant la saison pluvieuse. Pourquoi ils ont attendu? C'est parce qu'ils n'ont pas pitié de l'humain. Lorsque je m'y rends, je dénonce cette violence inhumaine contre les compatriotes. Oui, 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 il était là en 1998, lorsqu'il y a eu un Caporal. Je ne veux pas revenir sur cette question, j'aurai sur l'occasion de revenir sur Caporal. Ce que j'ai fait pour arrêter ce processus, j'ai un témoin populaire qui est là, avec lequel j'ai travaillé, pour arrêter ça, c'est Kassim Fofana. On était amis. Lorsque cette opération a commencé, je n'étais pas en Guinée. J'étais en étranger en mission pour deux semaines. Je suis venu, j'ai trouvé que cette opération était en cours. Et tout ce qui était faisable, nous avons fait pour l'arrêter. Il y a des témoins populaires. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, même si des erreurs et des fautes ont été commises par l'ancien gouvernement, on ne peut pas invoquer ça pour commettre des crimes parce que d'autres avant moi avaient commis des crimes. Le changement veut qu'il y ait un changement radical et que le respect de la dignité humaine soit toujours de rigueur. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de justifier leur forfaiture ou de la lettre, non, c'est nous qui ne dénonçons pas où il était. Ce n'est pas ça. On n'a pas le droit de venir casser des baraques, casser des villas, habiter. Les gens n'ont plus sauver que leur tête et dire que c'est au nom de la protection de l'environnement ou c'est au nom d'une cause d'utilité publique.